Cela fait un petit moment que je n'ai rien tué en battue, et aujourd'hui, je me suis promis de rattraper ça. Je suis donc déterminé. C'est alors que je vois apparaître ce beau sanglier. Il a l'air tranquille, pas affolé. Ça va être un tir facile. Petit moment d'hésitation, car je n'ai pas le droit de tirer les femelles. Je le laisse donc approcher pour bien identifier et j'épaule doucement, sans faire de mouvement brusque, lorsqu'il ne me regarde pas. Il ne m'a pas vu, mais je pense qu'il m'a senti, car il met le boutoir bien haut pour essayer de sentir le danger. Au moment où je m'apprête à tirer, je découvre qu'en fait c'est une mère et qu'elle est suivie de 5 petits marcassins. J'étais à 2 doigts de la grosse bourde. Et ces petits ont bien failli devenir orphelins par ma faute. Je me remets de mes émotions et je profite de ce joli spectacle offert par la nature. Et ce n'est donc toujours pas aujourd'hui que je tuerai mon sanglier, mais j'ai bien profité de cette partie de chasse avec de belles émotions. Et hop, c'est fini pour aujourd'hui. Bien chasser, c'est aussi savoir quand il faut tirer ou pas. Respecter la nature et gérer son territoire pour que la chasse soit belle. N'hésitez pas à laisser des commentaires et des questions ci-dessous. Si vous voulez vous abonner sur YouTube, c'est aussi en dessous et c'est gratuit. La seule chose que je vous demande, c'est de me laisser un petit j'aime sur vos vidéos préférées en cliquant sur le pouce en l'air. Merci d'avance et à bientôt les amis.